Ici, vous pouvez voir, j'ai recouvert mes panneaux qui étaient en longueur de 13 pieds, 12 pieds et demi en fait, de résine plus ou moins grise, foncée, plus ou moins foncée selon les zones. Ça n'avait pas besoin d'être une couleur unie, étant donné que ça va être un motif de roche. J'ai mieux que ce soit un petit peu avec des variantes. J'ai carré comme variante, mais ça va être réglé une fois la poussière de roche mise dessus. Par contre, au loin ici, vous voyez de ce côté-ci, j'ai pas mis, après avoir laminé, j'ai pas encore mis une couche, une deuxième couche si on veut, de résine par-dessus. Vous voyez, ça a l'air comme rugueux. Ici, c'est fait jusqu'au bout. Vous voyez, ça a l'air beaucoup, beaucoup, beaucoup plus lisse. En fait, si on regarde de proche, c'est un petit peu moins poreux. Ça l'est quand même, mais ça va être beaucoup plus facile à sabler. Puis en fait, on va sabler vraiment la surface, pas le tout. Tandis que l'autre bord, vous voyez, j'ai pris mon petit gobelet. J'ai besoin de un petit peu de résine pour couvrir le tout. Une fois couvert, ben, je vais aller terminer d'autres panneaux que j'ai commencé au loin, que vous voyez, qui sont un petit peu lisses sur le dessus. J'ai commencé le blanc dessus. Il y en a un qui est laminé à moitié. Les têtes sur le côté devant ne seront pas laminées. Eux, ils vont être couvertes à l'intérieur du bois qui est ici, qui est en fait mon support de toit pour l'extension du toit qui va ouvrir comme ça. Et la portion qui est derrière le bois n'a pas besoin de colorer. Je vais la laisser tout simplement avec la résine transparente. J'ai juste couvert le blanc au moins au minimum à la hauteur qui va être couverte par le bois pour que ce soit quand même esthétique. Puis la petite zone ici qui n'est pas couverte, ben c'est pas grave, on pourrait acheter de la résine quand même après et continuer le travail. Mais je ne veux pas un blanc nécessairement uni, ça va être une couleur retravaillée avec le temps. Selon les goûts, selon l'utilité qu'on va en faire. Pour l'instant, ça va être pour travailler, fait que ça sert à rien que ce soit une finition très impeccable.